J'ai dit, bien. Hey tout le monde, du coup ça y est, on est de retour pour le vlog pour la vida. Donc aujourd'hui bah, y a un petit swell qui arrive du côté Caraïbes du Costa Rica. Et du coup bah, on a décidé de partir à tous les Caraïbes, scorer un petit peu. On a préparé les board bags, on est en train de charger la voiture. Puis c'est parti pour 10 heures de route. On direct sur les Caraïbes, to get ball. T'es vraiment sur l'antenne, top. Top l'antenne. Pas de limite, pas de limite. Du coup, bah là, on a roulé une heure de Santa Teresa jusqu'à Paquera. Donc, c'est là où on vient de prendre le ferry, c'est là où on est en ce moment. Là, on va faire une heure et quelques de ferry de Paquera à Punta Arenas. Et ensuite, de Punta Arenas, on va conduire jusqu'à à peu près Limón, Salsa Brava. Là, on a à peu près 6 heures de route. Donc, bonne journée de voyage, quoi. 6 heures de route sur 45 degrés. C'est on. Donc on est bien arrivé après une longue journée de voiture. On est parti à 8h, il est 18h30, on vient juste d'arriver. Récupérer les clés de la chambre, puis on se retrouve demain. Ok, yeah. Du coup là ça y est, on est arrivé à l'hôtel, on arrive à Salsa Brava. Et ce qui est incroyable, c'est que l'hôtel il est juste là et la vague elle est à 50 mètres à pied. Donc bon bah go aller sur le spot et yeah. Prendre des vagues. Il y a des bons petits barrels, on va se gaver. Allez, let's go. J'ai le trépied du boss. À l'eau, donc c'est juste là où le gars il va rentrer. Faut suivre un peu le channel et après t'arrives au pic. Et les vagues, bah c'est plutôt fun. Hein. Il y a un bon mètre 20, il y a les clients qui passent, ça cube et tout. On va essayer de te mettre 2-3 petits barrels pour bien commencer le trip. Voilà, ouais. On est bien arrivé. C'est cool. Allez, c'est on.
faire un salsa brava. C'est fun. Putain, ça faisait du bien de surfer un slab, une vague un peu vénère là qui poussait. Un peu d'adrénaline, un peu à le moment, c'était cool. Hein. T'as eu de prendre mon petit barrel, non? Mec, c'était fun, hein, quelques bons. Hein. T'as eu une de la droite, toi, du coup? Ouais, j'ai eu une bonne. Après, c'était compliqué un peu à comprendre le pic. Du coup, bah, fin de session, c'est cool. Là, il fait un peu tard, on va bientôt faire nuit, donc on va aller bouffer. Et on a peut-être repéré un petit truc, un petit spot pour faire une sorte d'acid drop. Du coup, on se retrouve là-bas s'il faut d'ici 5 secondes. Allez. Du coup, là, on va faire un petit acid drop. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, on va monter sur une sorte de plateforme et on va sauter de la plateforme à une vague. Là, il y a un petit bateau échoué depuis, je crois, des années. Donc, on va monter avec le frérot et on va essayer de faire ça un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va aller foutre en l'air un peu, ça va être drôle. Du coup, là, il y a le bateau juste derrière moi. Donc, en fait, on va monter sur le bateau et on va sauter du bateau sur les vagues. Donc, c'est pas très haut, mais je pense que ça devrait être fun quand même. Et puis voilà, c'est cool, hein. Je fais mauvais, mais on trouve un truc à faire, donc keep the good vibe. Partout, des troncs d'arbres et tout. C'est une sortie de rivière aussi. À un moment, j'ai vu un tronc d'arbre, je crois que c'était un croco. J'étais là, putain, par des noix, mais au final, c'était juste un bon petit morceau de bois. Un bon morceau de bois, ouais. Mais ouais, c'était fun, hein. En vrai, c'était chaud. Toi, t'as lâché un peu backside. Backside, c'est dur. Hein, t'es de dos à la vague, donc c'est un peu compliqué. Mais franchement, on a kiffé, on s'est amusé. Ouais, c'était cool, quoi. Il y avait même 2-3 petites droites à fracasser. C'était, franchement, c'était fun. Bon, bah, j'espère que vous avez kiffé l'épisode. S'abonner ici. Et pour regarder plus de vidéos, c'est là. Et à dimanche prochain. Youh.